Poncin. Bonjour Pierre. Vous êtes directeur marketing du chantier Groupe Poncin. Pouvez-vous nous parler d'actualité Harmony ? Harmony Yacht, la nouveauté, c'est en fait une aspiration vers le passé. C'est du rétro, du néo-rétro, comme on dit aujourd'hui, avec Esprit Vintage, qui est la gamme Harmony Yacht 2008. Alors, pourquoi ce positionnement ? Bien, nous apprécions toutes les démarches qui sont faites dans le sens du design moderne, à titre personnel. Mais en fait, quand on regarde ce que les clients aiment, nous nous rendons compte qu'une bonne moitié des clients sont des traditionnalistes, sont des gens qui aiment le classique et qui ne trouvent pratiquement plus de bateaux qui correspondent à cet esprit classique, cet esprit yachting, marine. Et c'est donc exactement l'inspiration d'Esprit Vintage. C'est un petit peu la décoration que certaines personnes peuvent avoir chez eux, l'esprit marine. Donc vous reproduisez ça sur le bateau, qui est l'origine d'ailleurs. Oui, oui, c'est une constatation simple. Quand quelqu'un vous dit « viens voir à la maison, j'ai fait un petit coin marine », c'est du teck par terre, c'est un meuble anglais avec des coins en acajou avec des coins en laiton. Donc c'est quelque chose qui est très, on va dire, un code marine qui existe depuis un siècle et qu'on retrouve de moins en moins sur les bateaux. Donc on a finalement un peu puisé dans ce style marine pour convaincre, séduire, attirer des clients qui ne trouvent plus aujourd'hui un bateau correspondant à cet esprit-là. Alors cet esprit, on le retrouve sur quel modèle de la gamme ? C'est en fait tout le cœur de gamme, le 34, le 38, le 42, le 47. Et puis c'est finalement assez pertinent, même si Harmony avait une image innovatrice en matière de construction de bateaux, mais en matière de lignes, on avait des lignes très classiques. Donc c'est finalement assez harmonieux, sans mauvais jeu de mots, d'avoir un intérieur et un extérieur classique. Comment c'est perçu par vos clients ? Très bien. Très bien. Ils rentrent dans les bateaux par curiosité. Certains adhèrent. Et les autres disent, mais finalement, bon, c'est bien, mais c'est peut-être trop classique. Est-ce que vous avez quelque chose d'un peu plus moderne ? Et comme nous avons aussi une partie de la gamme qui existe en élégance, donc nous appelons élégance, qui est plutôt dans les teintes merisiers, en opposition avec les teintes foncées acajou de vintage, et bien finalement, vintage sert un petit peu, on va dire, d'appel. Après, il y a adhésion ou pas. S'il n'y a pas adhésion, on a une autre proposition. Serge, merci pour toutes ces informations.